De retour, toujours Jake, sur Riva Sound Studio. On poursuit l'aventure Metroid. Du coup, je viens de battre Cred, je suis frigorifié. Et on va se balader en zone d'Iron. Enfin, je pense qu'on va pouvoir se balader en zone d'Iron. Chose qui était prévue déjà il y a un bon moment, mais c'était pas possible tout simplement parce que la nécessité, il y avait nécessité de battre Cred en fait. Pardon, mes lunettes sont pas propres. Ouais, bon, on va faire avec. Voilà, de retour donc sur Metroid Dread qui est difficile, hein, c'est. J'aime beaucoup les jeux de plateforme, mais vous savez que je suis pas très bon dessus. J'aime beaucoup me casser la tête sur les jeux, mais là j'avoue que j'ai eu du mal à appréhender Metroid Dread. Donc j'espère que ça va aller mieux. Bon, maintenant que qu'on est là-dedans, il va falloir partir à gauche. Oui. Là où il y a un petit truc qu'on n'a pas vu. C'est pas très grave pour le moment. Il y a un ennemi qui se balade qui va me poser problème. Il y a peut-être ces choses-là que je peux casser maintenant, en fait. À voir. Où suis-je? Attendez, où suis-je? Où suis-je? Je suis loin ici. Est-ce que je ne pourrais pas remonter, voir ce qui se passe ici. En vrai, je pense que c'est une idée. Mais d'abord, allons là. Qu'est-ce que c'est que cette bête? C'est mal. Une bête qui a un collier autour du cou quand même. Ok, donc ça c'est fait. Ça c'est gentil. Je sais pas. Donc faut monter. Ben, on monte hein, dans ce cas. Ah, je peux me régénérer sur ça, c'est une bonne chose. Il y a quelque chose là-haut. Là il y a une porte ennemie, j'aime pas ça. Pour ce régène, très bien, c'est gratuit, on prend. Carte, s'il y a du haut, il y a du bas. Je pense que l'ennemi va nous embêter. Il est là-haut. Mais il va passer par où? Ah non, il est là, il est là, là, là. Il a cassé le truc. Il a cassé le truc. Ok. Waouh. Oui, et ça, ça me suit jusque là. Très bien. Avant de revenir là. Déjà, on sauvegarde. Parce que on s'est régène. Je sais pas si mon nouveau truc peut péter ça. Et ça c'est fait. Allez Samus. J'ai vraiment du mal sur ces machins, hein. C'est quand c'est trop haut comme ça là. Oh, peut-être que. Je sais pas si ça lui fait vraiment des dégâts. Je dirais que non. Ah mais je peux pas remonter du tout en fait, attendez. Bon bah demi-tour.
si au passage. Tout à l'heure ça avait régène ça. Mais on peut régène là hein, en vrai. Voilà. J'aimerais bien avoir plus de barres de vie par contre. Ça m'arrangerait. Bon alors, on a un ennemi qui se balade, qui est très 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 proche. Je suis censé pouvoir aller en haut. On va aller en bas, ça m'a l'air plus simple. Stop. Je viens de faire un grand pas. Ah, ça fait mal. Où est la sortie? Où est la sortie, s'il vous plaît? Forcément, la map ne s'est pas réaffichée. Ah, il y a un truc juste en haut. Il est à côté. Hein. Ici. Pour Samus, punaise. Bon, c'est deux fois trois, c'est le troisième ennemi jaune comme ça en vrai. Je pensais que ils auraient tous des têtes différentes, c'est le troisième ennemi jaune. C'est dommage, ils auraient pu faire des ennemis totalement différents. Vraiment dommage. Bon, on est allé en haut, je pense qu'il faut vraiment y aller en vrai. Et il m'a entendu. Ici. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça bouge encore derrière. Ça bouge derrière. Ça bouge même devant. J'ai peur. Mais je peux pas y aller là. Sauf si. Attendez. Non. Il n'y a rien ici. Il faudra attendre. Mais ça veut dire que quand l'électricité... Parce que ça pour moi c'est pas tout à fait mort. L'électricité ça va le ramener à la vie. C'est une évidence et ça sera un boss. On va revenir en fait, il sera disparu, c'est évident. Mon dieu, la zone est mise, j'ai oublié. On descend. Punaise, il est déjà là, mais il est partout à la fois. Boule, boule, mais...
Ah mince! Mais en boule comme ça, il m'attrape quand même. Mais à quoi sert cette zone alors? En boule comme ça, il m'attrape quand même. Porte à côté. T'amuses vite. Je sais pas où aller. Observons un peu mieux tout ça. Là, je peux pas y aller. Il y a des zones bizarres. Là. Les trucs, les carrés roses, je sais toujours pas quoi en faire. Ça, c'est des valvémies. Je ne sais pas en quoi en faire pour le moment. Il est cassé? Non, ça m'étonnerait. Là, je pourrais monter. Il y a quelque chose ici. Tout pareil qu'ici. Là, je ne sais pas comment y accéder. Je vais déjà monter par là, sortir là, histoire de... Ouais, je vais faire ça. Ok, c'est bon. Je suis sorti, c'est pas mal. Alors, c'est mieux de pas monter maintenant. On re-régène, c'est toujours bon à prendre. Et on sauvegarde. Comme ça, la map est sauvegardée au passage. Voilà. Je ne sais toujours pas à quoi servent ces oiseaux.
Il est à côté. Hop là, on se risque. Je suis en zone safe. Bien. Ah, moins bien. Moins bien, moins bien. Il fallait que je passe de l'autre côté pour ça. Et je ne peux pas. Mais comment voulez-vous que je passe de l'autre côté ici en fait? En passant par là, puis par là, puis par là. Ou en passant par là, puis en montant. Ouais. Bien. Si je meurs, je reviens là, c'est pas mal. Hop. Tout droit. Un truc ici. Comment je fais pour l'avoir celui-là? Bon, il y a une porte là. Ici, il y avait un truc pour monter, d'accord. Il y a quelque chose là, hein. Bon. Je pense que juste après, on va pouvoir jouer avec ces cubes bleus luminescents. Et je vais supposer que... Je casse par en haut. Je peux pas remonter. Non, bah non. Je peux pas remonter. Ah, regardez qui c'est qui est en fond. Un vieil ami. Là, lui, il est cassé. Il lui faut le courant. Il m'a pas fait de dégâts. Parce que j'ai peut-être sauté à temps. Ah, je touche pas. Mais si, attendez. Je suis bête. J'ai juste à faire ça. Ça passe à travers. Je retienne ce détail. Qu'est-ce que c'est? Ok, lui, il a besoin du courant. Très bien. Alors là, j'ai une porte en haut, une porte en bas. Si je peux remonter, je peux pas remonter. Ah, peut-être, attendez. Oui, je peux remonter. Non, j'ai dit oui. Bizarre comme zone. Attendez, on va y rester en fait. Je pensais aller voir la porte en bas, mais non, on peut rester là. Qu'avons-nous ici? Des créatures étranges. De l'eau. Et
là je retrouve la porte en bas, c'est ça? Ah non, c'est pas la même porte. Ok, ça c'est fait. Ça, c'est un truc à activer qu'on va activer plus tard. Et là, on retrouve de l'eau. Très bien. La porte ici. Tant que lui, il n'est pas alimenté, tant mieux. Qu'est-ce que c'est bâti ? C'est mal ? Un bruit qui n'était pas... Ah oui, c'était là, là, ok, d'accord. Très bien. Bon. Maintenant, on va allumer l'électricité. Parce que je n'ai pas d'autre choix. Je peux pas aller sauvegarder quelque part avant. Ça, c'est une sauvegarde qui n'est pas alimentée. Et l'autre sauvegarde, elle est... méga loin, d'accord. Bon, ben, on va allumer l'électricité. Très peur. Hein. Ça devient une zone froide. C'est devenu une zone froide, génial, je suis content. D'abord ouvrir ça en vrai. Ah bah, un pouvoir chorizo, parfait. Bombe obtenue. Une bombe peut être utilisée en mode bull morphing. Posez une bombe lorsque vous appuyez. Posez une bombe. Attendez. Pour poser une bombe, appuyez sur Y lorsqu'on est en boule. Les bombes peuvent endommager des ennemis, détruire des blocs, bombes ou révéler des blocs cachés. La déflagration propulse Samus en l'air lorsqu'elle est en boule. Ok. Elle peut aussi activer les propulseurs de boule morphing avec une. Voilà. Ok. Très bien. Alors on va regarder le petit J vidéo. Tac. Cassé. Elle accède. Paf. Ok. Très bien. Et je sors comment? Sérieusement, il est où le passage? Non mais attendez, vous rigolez là.
Ok. Allez, ça fait son nid. On revient ici. Je vais pouvoir remonter et sauvegarder. Réouvrir cette porte parce que... En vrai, il n'y a pas besoin d'y retourner. Du coup, peut-être qu'avec d'autres... Peut-être qu'avec ça, les flèches là, peut-être qu'il faut mettre la bombe. Je sais pas. La petite sauvegarde. Qui n'est peut-être plus qu'une sauvegarde d'ailleurs. Carte de la zone. Télécharger. Ok. Alors maintenant qu'on a une carte, il y a un passage ici pour partir. Et je ne peux pas y accéder. Ici, on va pouvoir redescendre. Je suis où ? Attendez, je suis là. Je vais redescendre par là. Là, il y a un ascenseur. Là, il y a une sauvegarde. Ok, donc là, c'est obligé que ce soit dans ce sens-là. Je peux, c'est via d'abord revenir par une autre zone ici, puis passer par là. D'accord, très bien. Là, il y a une autre zone... Avec un truc orange. Peut-être que ça c'est possible. Peut-être que ça c'est possible à casser aussi au passage. Bon, ça on s'en fiche. En bas, ici, on peut revenir ici. On descendre ici et avoir une autre zone là. Très bien. Là il y a des choses. Ici il doit y avoir des blocs à casser. Là c'est l'objectif. Donc, peut-être que je peux faire quelque chose sur les valves émises maintenant. Je suis pas sûr, hein, mais il y a une porte émise là. Une propulseur boom. On va peut-être faire ça d'abord, ici. Où suis-je? Attendez, parce que là, je suis perdu, moi. Je suis là-haut. Je vais redescendre ici pour revenir ici. Une fois que je suis là, je passe là. On fait comme ça. Allez. Donc, je dois aller à gauche, à droite. Eh oui, eh oui, bien sûr qu'il est actif. Ouais, bon, on le battra plus tard. Dangereux ces choses-là. J'ai peur de ce... Il a bougé. C'est au secours. C'est dégueulasse. Mince. J'ai pris des dégâts. Pas fait exprès ça.
promets que c'était pas fait exprès. Mais là par contre je suis bloqué en vrai. Ah non je suis pas bloqué, attendez. Ok. Reste là. D'accord, jusque là ça va. Il y a un truc à récupérer en bas. Hop là, bonjour, nous sommes ici. La petite salue. Attendez. Non, y'a rien. Allez, hop, tac. La sauvegarde. C'est récupéré. Il y a une porte émise. On va re-sauvegarder peut-être, non? Je vais récupérer ça. Quoique, si je passe une porte émise, ça devrait le faire. J'ai pas beaucoup de santé. Inès, il est à côté. Attendez. Alors, vu qu'il est juste au-dessus, on va essayer de faire attention. Et il me rend visite. Il y a une porte ici. Mais on est toujours dans la zone émise. Par contre, pourquoi il y a des choses comme ça là? Ça veut dire qu'il y a des blocs? Non, il n'y a rien du tout. C'est juste pour nous tromper. Là, je peux descendre. Et on sort de la zone ennemie. Qu'est-ce que c'est que ça? Un aquarium. Ah oui, ça fait mal. Ça lui fait pas de dégâts. Ça c'est un transport. Vers où? Transport extérieur. Ok. Eh ben découvrons cette nouvelle zone. Juste pour avoir son nom.
Burenia. Allez, chargement sur 20. Ah, il pleut. C'est génial. Ça me rappelle une planète dans Star Wars. Je peux remonter après là? Ok. Aquatique pour moi, ça j'aime pas du tout. On va retourner dans l'autre zone, hein. On ira ici beaucoup plus tard. Très bien. Hop, on s'en va. Là maintenant je peux le spam. Je peux pas grimper. Les deux boutons maintenant sur lui. Ah, il prend peut-être des dégâts. Yes. Bon, alors, j'en étais par là. Tout ça, c'est visité. Il faut retourner chez Lemmy. J'ai un peu peur. Punaise, il est à côté. PV, on va régénérer sur ça. Voilà. Et c'est toujours pas suffisant, mais c'est mieux que rien. Donc ça, je peux pas les utiliser. Et là, faut que je remonte. Mais attendez. Si je veux aller là, je suis obligé de passer par la Valvemi en fait.
j'ai mis ça aussi. Je suis obligé de sortir par là. D'accord. Là, je peux pas y aller. On sauvegarde, ça faisait longtemps. Bon, où est-ce que je vais? Faut que je passe cette porte jaune. Faudrait que j'essaye d'aller là, donc. On va faire au mieux, hein. Bon, maintenant que je suis là, à la base il y avait quelque chose là, ces trucs là m'intriguent, mais je sais plus comment, c'était par là je crois. Je crois que c'est par là. Il n'y a pas une sauvegarde là, attendez. Si, allez go. On va re-sauvegarder. À moins de deux zones ennemies à traverser. Les PC. Pas les péter. Les oranges, je ne peux toujours pas rien en faire. Bon, en haut ici, je suis pas vraiment allé. Où est-ce qu'il faut que j'aille? Une clé orange, je ne peux rien en faire. Non, attendez. Oui, ça, je peux rien en faire. Sauf qu'il faut que j'aille là, en fait. Je pense qu'il y a un truc à faire avec les Valvemi, mais que je ne contrôle pas. Je peux quand même pas retourner dans les anciennes zones. Je sais qu'il y a des trucs roses dans les anciennes zones, mais quand même. Ça, je peux pas. Voilà. Je peux peut-être essayer de d'aller là pour retomber là-dedans. Je vois, pour moi, il y a que ça. Là, de suite, il y a que ça. Donc, je repasse par la zone rouge. En espérant que ce soit... non, c'est pas possible. Je ne peux pas repasser par la zone rouge vu que je ne peux pas monter là. Je ne peux...
Attendez. Sauf si j'arrive à comboter un peu. Ça se tente. En vrai, ça se tente. Mais si je peux pas accéder là-bas. Disons que j'y arrive pas. On va le tenter. Mais si je n'y arrive pas. Eh bien. Il va falloir. Clean un peu ça déjà. Même si l'ennemi me fait peur. Bah, en vrai, j'ai pas 50 choix. Parce que soit je vais vers l'autre zone que j'ai oublié le nom. Burenia, je sais pas quoi là. Soit j'arrive à comboter. Bon, en attendant. Burenia, voilà. Allons à Kataris. Kataris, doit y avoir des trucs roses. Visite. Oula. Est-ce qu'il y a des choses roses à Kataris? Ça, c'est rose déjà. Sortie propulseur bémorph. Propulseur boule morphine. Et toute la map est là. Du coup, là, il y a juste un propulseur. Je sais pas trop à quoi il sert, mais il y a un propulseur ici. Ok. Ensuite. Y a pas grand chose de rosa en fait. Pas grand chose de rose du tout. Donc retourner à Kataris ne m'avançait pas à grand chose. Ok. Et Artaria. Artaria, il y a encore tout ça à visiter. Et je ne sais comment y accéder. Là, je pense que là, il y a un saut à faire. Je pense que ce saut à faire est possible. Que là, il doit y avoir des trucs à péter. Que ça pourrait potentiellement ouvrir ici. C'est une supposition. Hein. Je ne sais pas. Je ne connais pas la réponse. Il n'y a pas de truc rose ici non plus. Là, il y a un gros trou, on sait pas pourquoi. Bah, j'ai pas 50 choix. On va essayer de faire ce que je pense. Sinon, alors. Là, j'avais dit, m'étais dit, pour faire ça. Alors, non, tu restes en boule. Oh, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ça le fait! Trop bien! J'étais pas confiant. Là, il y a un TP. Ça nous ramène quoi, TP? TP violet qui
Il va où le TP violet d'ailleurs? Excusez-moi. Mais... Akataris. Sauf que une fois Akataris, je veux reprendre le transport en fait. Qui est tout là-haut. Alors non, je vais re-regarder la carte. Merci. Y'a aucun autre moyen de. Y'a aucun autre moyen. Enfin, je suis là. Peut-être là. Oui, peut-être là, oui, peut-être. C'est même plus que peut-être. Ok, bon, maintenant que ça c'est fait, on remonte. On passe cette porte. Là, il y a Chozo. En bas à droite. Pas autant en bas à droite. C'est ça. Oui, c'est ça. Ah ! Elle est là l'arnaque. Elle est là. Punaise. Je peux pas remonter. Ah, peut-être par là. Excusez-moi, je passe. Y'a un truc tout là-haut. Comment vous voulez que j'accède là-haut? Comment vous voulez que j'accède là? Là, il va falloir être rapide. Non. Oh. Première fois que j'ai réussi ça. Première fois que j'ai réussi ce truc. Du coup, c'est où qu'il faut que j'aille? Parce que maintenant j'ai perdu mon fil moi. À côté, c'est à côté. Non, sérieux. Ça a servi à rien. Sortie pro... C'est une sortie. C'est juste une sortie. Faut que je refasse tout le tour. Oh punaise.
fasse tout le tour. Je suis content là. Là, je suis content. Sauvegarder. Traverser toute la zone ennemie là. Faut j'aille ici. Faut j'aille à 7 portes. Pour ça, faut que je passe par 7 portes. Donc, en bas, grimper. Ok. Avant ça, je vais vérifier un truc qui m'intrigue quand même. Alors, attendez. Je regarde une information, attendez.
pas avoir l'information que je cherche. C'est pas grave. En gros, revenons à Qataris. Deron ? Je suis à Deron. J'arrive là. Ok, on revient en arrière. De la lave là en fait, les gars. Et ça ramène au fond là-bas. C'est quand que j'ai sauvegardé pour la dernière fois? Après, c'est à cause des. Non, je peux pas grimper ça. J'ai voulu vérifier un truc qui m'a intrigué. Donc c'est bien un truc caché. Du coup, je vais aller le rechercher pour activer la carte. Pour la première glissade sur sous le premier mur. Puis sauter pour atteindre le mur à droite de votre position. Faites un saut mural afin d'atteindre les blocs à sa place permettront de remonter sans mourir. Si vous tombez dans la lave, des blocs sont cassables sur le côté gauche de la salle. Ok. On va tout faire. Si ça peut m'aider en vrai. Donc. Il y a un truc ici. Très bien. Voilà, maintenant que je vais là-dedans. Très bien. Maintenant, je me mets en boule. Bon, déjà, lui, il m'embête. Non. Ok. Bon, je vais mourir, hein, je vous le dis de suite. Faites un sous-mur. Mais l'idée, c'est de faire un saut mural pour rattraper en boule la plateforme. Il y a peut-être moyen, hein. Il y a peut-être moyen.
ça que j'arrive pas à faire ça. Ah, attendez. Oh non, attendez pas en fait. Allez, Samus, s'il te plaît, je compte sur toi. Samus, Samus, non. Bon. Juste activer ça pour s'en souvenir. Voilà. Tac, voilà une belle porte. Oh là là. Voilà. Maintenant que ça c'est fait, on s'en va. Et on reprend le fil de notre chemin. Tant pis. Je vais récupérer un truc peut-être un peu en avance, peut-être pas. Bon, alors j'avais dit qu'il faut que je passe cette porte là. Ok. Niaz, il est là. Je fais comment moi maintenant? Il y a un truc en haut qu'on n'a pas vu là. Il est à côté, hein. Il est juste là. Alors, tout va bien. Hop là, une porte. Et mais je peux passer là. Et non, je peux plus passer là. Et oui, il y a ce bloc magique. Génial. Bon. Faut revenir en arrière. Il est là. C'est là. Ouais, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Non. Mon dieu, je suis passé. Alors attendez, maintenant c'est la galère. Parce que... c'est cette porte-là. Trop tard. Trop tôt même.
Alors maintenant. C'est pas par là. Si, attendez, je sais plus. Et non. Et non, c'était pas par là. C'était la porte d'en haut. Donc, reprenons. Je dois passer par là. Il faut que je descende. On va passer par là. Enfin, allez go. Ah, punaise, c'est vrai. Pourquoi? Attendez. Si, si, c'est par là. On va aller par là. Voilà. J'aurais pu sauvegarder, hein, en vrai. Je suis bête, moi. Retourne en arrière. Bien, on sauvegarde. Là. Ok, maintenant que je passe là. Il est à côté, hein. Il est toujours là. Hein. Ok, c'est bon, je suis re en zone safe. Enfin, du moins en dehors de l'ennemi, quoi. Bon, eh bien, direction Burrata là. Pardon, je passe. On s'en va. Bon. On va essayer de pas avoir trop peur. Malgré que ce soit une zone aquatique, là je ne peux pas y accéder. La musique est chouette.
faudra m'expliquer comment Samus respire sous l'eau. Dans une atmosphère qui n'est pas la Terre, ok, bon, armure spatiale, etc. Mais sous l'eau, c'est pas les mêmes technologies non plus. Oh non, ils ont mis un système comme ça. Ça sent le boss. À plein nez. Ah, une sauvegarde. Du texte. Du texte. Du lore. Il est pas là en fait. Ça a sauvegardé, hein. Oui. Non, bien, mais oui. Mon Dieu. Joli comme décor. Joli, ça change. Bon, j'ai tenté de faire un truc, ça me tue ça, c'est vraiment, c'est au secours.
Mais c'est... T'as fait méga mal. Une porte de découverte. Qu'est-ce que c'est que... Des nids de partout. Ça sert à quoi ça? Ah, je sais grappiner. Gêne sur ça. Un petit peu. Un peu beaucoup même. Ah, faut passer par en haut. Là aussi, faut passer par en haut. Comment faire pour celui-là? J'ai pas... bon, c'est pour augmenter la capacité de missile, mais là du coup...
Oh. Non. Non, 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 non. Non. Non, ils sont tous comme ça. J'ai raté. Je suis sûr qu'il y a moyen d'y accéder. Punaise. J'arrive même pas au cinquième. Hein. Galère, bon, bah, ça en stand-by, ça m'embête beaucoup. Mais tant pis. Il y a une porte là-haut, là. Ah! Pas passer par là. Très bien. Là non plus. Et là, je vais pas pouvoir remonter, sinon c'est pas drôle. C'est ça. Quoique, j'ai un doute. Hein. Non, pas eux, pitié! Dégâts ce machin ? Quand même. Là par contre j'ai très peur. Je vais pas aller là du tout. Et je peux pas aller là non plus. Donc là faut que je remonte. Je me retape ça. Pardon, je passe, je suis pas là. Je peux pas remonter du tout, c'est une blague. Tout refaire quoi. Tout refaire. Allez, excusez-moi, ça sera fait. Punaise.
Et voilà, et ça me suit jusqu'au bout du monde. Un PV, allez vas-y. Voilà, comme ça on recommence à la sauvegarde. Je pense que faudra les achever avec un grappin. Hein. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, à nous. Ok. On passe là. Attention à la chenille. Là, je peux pas y aller. Voilà, je me refais avoir. Bon, là, c'était ne pas y aller. Ne pas y aller, du coup j'y vais. Oh, une sauvegarde, punaise, j'aurais dû y aller avant. Voilà. C'est tout, rien d'autre, une sauvegarde. Pourquoi j'ai pas fait ça avant ? Qu'est-ce que c'était ça? Stop. Ok, quoi qu'il arrive, je coule. Mais il y avait un truc intéressant que j'ai raté du coup.
supposer que ça, ce sont des mines. Donc là, il y a un joli pouvoir. Grande réserve de... Ah, mais attendez, c'est... C'est pas pour m'augmenter les... la capacité, en fait. Il y avait un truc là. Il y avait quelque chose là. Il y a quelque chose là. Il y a un passage là. Je reviens ici. Très bien. Il y a un truc là-haut. Cinématique. Non, pas une cinématique, non, pitié, la sauvegarde elle est loin. Joso. Un pouvoir. Combinaison gravité. Déplacement phasique obtenu. Une compétence de combat qui permet de... Bah, c'est un dash, quoi. Lorsque le truc est rempli, faites un... vous pouvez faire ça. Ensuite, incliner en avant en arrière pour vous déplacer. Vous pouvez aussi appuyer sur un... Oui, c'est un dash. Deux phases supplémentaires. Et ça consomme toute la... tout le mana, quoi. Ok, donc c'est du dash, très bien. C'était pas ce que j'avais commandé, mais bon, soit. Si je reviens là, je refasse tout le tour avec quelque chose qui... Ah ouais, mais la sauvegarde. Ah mais j'ai pas le choix en fait. Ah bah go alors. Bien utile pour passer certaines portes des EMI en vrai. Bon. Capacité augmentée de missiles. Ah, je m'en doutais bien. Il y a un truc là-haut. Il y a un truc là-haut. Une porte dans le mur. La porte, elle est dans le mur. Très bien.
Ok, mais je dois aller où en fait? Ok, il y a une salle en bas, je peux pas la casser. Portail vert. Je peux vraiment remonter? Ça me garde. Je remonte là. Je dash là. Punaise, c'est là qu'il faut aller. Il y a vraiment un truc de l'autre côté par contre. On revient là. On revient là. Je fais un tour pour rien. Mais au moins j'ai récupéré les missiles. En vrai, c'est pas vraiment un tour pour rien. Donc maintenant je grimpe. On regarde après tout parce qu'on a la capacité de missile qui a été augmentée. Oh, une troisième vie. Enfin, quelque chose d'intéressant. Oh, merde. Ça, c'était une erreur. Par contre, ça, du coup, ça fait un carré noir, j'aime pas. Non, voilà, ça, je préfère ça. Du coup, faut que j'aille là-bas. Via le petit ascenseur. Tac. Maintenant que je suis ici, je suis obligé de descendre. C'est un passage ça ou c'est un mur? C'est un mur, tant mieux. Il y a un truc de missile à gauche. Je suis censé pouvoir monter. En vrai, je pense pas. Pour le moment, je ne pense pas pouvoir monter. Est-ce qu'on peut pas... comme ça. Non, ça ce sera par en bas. Il y a un truc là par contre. C'est pas une porte. Peut-être que je vais pouvoir nager. On va casser ça. Idée en vrai. Je sais pas si c'était une bonne idée. Bon ben ça va plus tard. Ça va augmenter d'où au final. Il y a pas un passage là?
Et ça fait baisser le truc d'à côté. D'accord. Est-ce que ça fait... Non, ici ça a pas fait baisser. Pouvoir l'attraper. Faut me dire comment là. Je suis censé l'attraper comment? Vous êtes rigolo. Ah, par en haut, par là. Là j'en viens. Oui. Qu'il y a des éléments de décor qui sont utiles. Une zone de transport? Quoi? Je rechange de zone? Il y a la Sargaïque derrière. On revient à Dairon. Bon, d'accord. Dairon, très bien. Du coup, on va visiter. Voilà, portail à la Stargate. Un sacré joint hein, pour isoler de l'eau là-dedans. En vrai, ça rentre dans l'eau. Est-ce que je peux avoir une sauvegarde quelque part? Ça fait longtemps. Bon, j'en suis où au final? Ah, je reviens par en bas avec cet objectif-là qui m'intéresse, qui m'intéressait à la base. D'accord. On va dire que Dairon est presque terminé. Il y a un truc sur le côté. Il n'y a pas de truc sur le côté. Dash. Il peut tomber directement sur moi là avec cette valve. C'est van ou valve?
La sauvegarde, elle est loin. Oh! Non! Comment j'ai fait ça, moi? Bon, j'ai tout ce côté truc là-haut à faire. En fait, c'était vraiment là où il faut que j'aille. Mais la sauvegarde, elle est tellement loin. Tellement, tellement loin. Quoi ça? Module d'énergie. Plus tard. J'ai tout clean. Ok, on s'en va. C'est quoi? Non, punaise, c'est vrai. Mais réfléchis un peu. S'il y a un truc rouge, c'est que c'est un boss. Un truc qui fait mal. Et la sauvegarde, elle est... Il n'y en a pas. Ma dernière sauvegarde, c'est la région d'avant, quoi. Oh, c'est même plus que la région d'avant, ma dernière sauvegarde, c'est tout ça. Disons que je reviens ici à la porte de l'EMI, je retraverse toute la zone EMI. Hein. Si je meurs, je reviens là, je pense, à la zone EMI, je retraverse tout. Ou alors ils me mettent devant la porte du boss, ce serait beaucoup plus gentil. Il va falloir s'occuper de l'EMI. Ah, punaise. Easy. Non, non, pas easy. En stress total. L'énergie, canon oméga, tout ça. Donc. C'est comme ça, puis comme ça. Comme ça, puis comme ça. L, puis R. Elle, puis R. Courage. Il va arriver par en haut. Il est où?
Il est en bas. Il est beaucoup plus rapide que les autres, punaise, et je suis bloqué. Bloqué. Il est tellement plus rapide que les autres. Il est où? Il est en haut. Comment vous voulez que je passe? Il est trop rapide. Il est beaucoup trop rapide. Il est passé derrière moi. Pardon. Allez, allez! Non! Presque. Punaise. Pour l'instant, j'ai réussi à le contrer que deux fois depuis le début du jeu. Bon, trois si on compte le tuto, mais... Il est où? Il est où? Je crois que ça a bien continué. Il est en haut, en bas. C'est bon, c'est fait. Ah. Merci. Ça fait 4 et demi, je crois. Il en reste 3. Et les boss, je sais pas en fait combien il en reste. Accélérateur obtenu, qu'est-ce que c'est ? Permet à Samus de foncer à une vitesse supersonique. C'est ces blocs-là. Appuyez sur le bouton central pour enclencher l'accélérateur. Continuez de courir sur une certaine distance et l'accélérateur s'active. Lorsqu'il est actif, tous les ennemis sur le chemin de Samus subissent des dégâts et les blocs accélérateurs sont détruits. Pendant une accélération, Samus peut également se propulser dans la direction définie. Ok, utilisez une technique comète.
Incliner vers le bas lorsqu'elle excelle. Appuyer sur B. Dans n'importe quelle direction. D'accord. Mais des blocs comme ça, j'en ai vu partout, 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 partout. Encore en live, lui? Bah oui. Faut faire des heures. Ok. Bon, toute la zone est maintenant tranquille. J'ai plein de blocs à péter qui sont juste au-dessus. J'ai les blocs à péter au-dessus. Nous sommes à Déron, hein, c'est ça. Donc à Déron, on vérifie tout ce qu'il y a à faire. La zone froide, on l'oublie. Faudra penser à une sauvegarde à un moment donné quand même. Là, il y a des blocs à casser ici. Pour un petit truc là. Idem là. Ça, c'est quoi ça? Idem là. Pas trop. Ah si, pour accéder là. Ici. Attendez, niveau TP là. En termes de TP, vraiment pas les transports, juste les TP, ça c'est un transport. Qu'est-ce que j'ai déjà utilisé? J'ai utilisé le violet. En fait, c'est plus simple, on va faire ça. J'ai utilisé le TP rouge, le TP jaune, le violet. Pas le vert, pas le bleu. Donc il m'en manque encore 3 plus 1. Je sais qu'il y en a un caché. Ok. Bon, revenons à la carte. On va aller au-dessus. Ça se dit pas Deron, Dairon? Je sais pas. Deron, Dairon. Je dis les deux depuis le début en fait. Deron peut-être. Mince, c'est dur en fait. Non, c'est pas ça. Plus vite. Non, c'est pas ça. Attendez, on va relire le tuto. Il n'y a pas écrit pour le... gentil, mais L joystick L. J'ai pas compris. Milieu L, ouais, c'est ce que je fais. Même. Ah ouais, non mais attendez, chargez-le à 50 ans, c'est super dur quoi. Du coup, je récupère 100 points de plus, parfait, ça me fait... j'aurais gagné 2 vies. Bien. La suite est là-bas. Du coup, on va pouvoir monter. Et j'ai dit que les autres blocs orange sont au-dessus. Donc en gros, on va dans cette zone-là. On rattrape les oranges là. L'orange du dessus au passage. Allez, go. Comment j'ai fait? J'ai fait. Non. Oh punaise, d'accord, faut d'abord courir. Ah, bonjour. Je fais peur, lui. Oui, mais là. Là, j'ai besoin d'élan, là.
Ok, c'est bon, j'ai compris. Bon, ça va, c'est l'autre côté. Ça fonctionne pas en boule. Comment vous le passez en boule? Là, faut m'expliquer la technique. Faut vraiment m'expliquer la technique. Ça sert à rien à part bouger ça, mais là, j'ai pas la technique du tout. Là, je comprends pas. Bon, faut monter. Le truc vert là. Où l'arnaque? Ah bon, j'ai eu peur. La zone est safe? Oui, c'est bon. Nu, presque safe. Alors attendez, là c'est je charge. Non, c'est pas ça. Comment j'ai fait? C'est hyper dur à gérer ce machin. Là, je suis censé faire comète. Ok. Je pense que j'ai pas tout compris encore. Hein. C'est le seul moyen de passer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça non plus.
j'ai pas compris. C'est clairement pas écrit dans le journal, sérieux? Non, ça c'est Adam. Camouflage. Glissade. Mode visée, mode missile, bloc caché. Carte option riposte. Si vous avez des indications, je suis preneur. Hein. Parce que là... On y va. Je sais pas. Bonjour, Aigle-Chauve. Dans l'inventaire, c'est écrit... Ben, c'est ce que j'essaye de faire, en fait, de regarder dans l'inventaire, mais... Quand je clique sur accélérateur, il n'y a rien. Tu peux pas regarder tes pouvoirs. Ah, attends. Oh, oh attendez. Je suis peut-être nul en fait. Tout simplement. Merci. Des fois, je regarde pas là où il faut. Permet à Samus de foncer à une vitesse. Ok. Non, regardons le GIF. Ça, ok, je sais faire. Ok. Maintenant, comment c'est fait pour charger? Accélérateur, direction définie. Pendant une accélération, Samus peut également se propulser dans la direction inclinée vers le bas lorsque l'accélérateur est actif. Pour préparer la comète, appuyez ensuite sur B pour l'activer avant d'incliner. Oh mais dites, c'est un combo là. Donc, je fais ça. Je fais ça. C'est pas ça. Ah, attendez, j'avais quelque chose là. Là, j'avais quelque chose. Magnifique. C'était juste ça. Enfin, juste, c'est déjà beaucoup en fait. Donc, il y a une porte là. Mais avec une belle sauvegarde d'ailleurs. Je suis en haut. Et l'objectif, c'était d'aller... à cette orange ici. Je peux pas retrouver une sauvegarde avant quand même. Il y a du orange là, il y a du orange là-bas. Il y a une sauvegarde là-bas. Ok. GG. Oui, mais alors le GG par contre, je vais avoir du mal à refaire cette chose. Oh, je tombe. En vrai... Je suis allé là. Tac, tac, tac. Il fallait aller là. Je pourrais retomber, sauvegarder là. Ça, c'est une recherche. Bon, on va aller là. Alors, maintenant, je dois aller en haut. Ah mais si, je peux passer par là. Je suis bête. Non, je peux pas. C'est trop... Tac. Tac, tac, tac. Et tac. Là, lui, punaise. Propre. Faut aller là. Ça c'est bon. Tout ça pour ça. Évidemment. Évidemment.
retourne en bas pour l'entraînement. Oui, je pourrais. Je crois que j'ai un ennemi qui a pris cher. Maintenant que ça c'est fait, je vais là. Là, par contre, comète puis bas. C'est pas ça. Ok, c'est bon, ça c'est cassé. Quelle étrange salle. À quoi sert cette salle? Allez, une autre zone de transport. Okay. On sort de là. On sort de là. On sauvegarde ici. Ça fait très longtemps qu'il y a ça, il n'y a plus de soutien. Hop là, merci pour le soutien. Tac, ça c'est fait. Maintenant, il y a du orange sur la droite, là, à nettoyer. Donc il va falloir passer par en bas, monter comme ça et accéder à cette épée là. Le portail jaune. Il y a ça aussi à faire là. Ah mais non, c'est une sortie, lui c'est une sortie, je peux pas accéder. Oh, non, j'ai rien dit. Là, c'était une zone cachée à la base, donc ce bloc c'était pas un bloc, tout ça ça n'existait pas. Ça c'était une zone cachée. Et là, en étant doué, ce qui n'est pas mon cas, on peut essayer de faire un rebond là pour rouler là-dedans et aller tout au fond. Et je suppose que le grappin est par là. Ce serait logique. Bon, en termes de bloc orange ici, c'est bon. Il reste que à droite, hein. Donc on va aller à droite. Ah ouais, mais... Allez, celui-là, il est récupéré. Par contre, il est gentil le jeu, mais je pourrais remonter quand même. Ça, c'est un bloc rayon. Si je peux remonter par là, faire tac tac. Ok, c'est bon. C'est pas. Je pensais qu'il fallait absolument faire tout le temps le machin, mais c'est... Attendez. Le jaune, il nous amène où? À Artaria. Le jaune nous ramène à Artaria. Pourquoi? Où est le jaune? Il est là, TP jaune, ça va nous amener là, ça va ouvrir cet accès là où j'avais mis un marqueur plutôt cool, tant mieux. Ensuite, il y a cette chose là bizarre que je sais toujours pas ce que c'est, mais ça on verra plus tard. Il y a des blocs orange, je les ai vus là, sur le côté gauche. Ici, là, il y a des blocs orange, ça va nous débloquer la zone nord. Pas d'autres blocs orange, je pense pas. Ici, il y a besoin du froid que je n'ai pas. Ici, ça sera peut-être plus tard. Mais
J'ai une combi de feu, maintenant je peux me balader là-dedans. Pourquoi je pouvais pas aller là? Ah oui, à cause de lui. J'ai pas ce qu'il faut pour ça, j'ai rien dit. Donc là, en gros, c'est aller à Artaria, prendre le TP jaune. Enlever mon marqueur d'ailleurs, parce que je peux l'enlever. Hein, parce qu'on passer par là. Aller là-haut. Ici, il y a une sauvegarde. Et là, il y a un transport pour aller je ne sais où. Avec d'autres choses ici. Ok. Carte globale. Jetons un œil à Qataris, vite fait. Est-ce qu'il y a des blocs oranges à Qataris? Il me semble qu'il y en avait quelque part. Peut-être pas en fait. Peut-être pas. Peut-être pas, peut-être pas. Par contre, à Qataris, de mémoire, quelque part, je ne sais plus où. Attendez, en fait, je peux peut-être le dire. Oui, ici. Il y a Samus qui, sur ce... J'ai une carte sous les yeux en fait. Parce que je sais qu'il y a un TP caché. Et là, c'est à partir de là. À partir de là, faut chercher un TP caché. Pourquoi? Pourquoi il y a un grappe? Il y a ça là, pour s'accrocher là, spécifiquement là. Ah! Attendez. Si je me mets là, que je charge ensuite le truc... la comète vers le haut, je peux m'accrocher là ici je pense, mais après à quoi ça va me servir, je sais pas, mais il doit y avoir un TP caché quelque part là dedans je pense que c'est ça. Bon bref, prenons ce TP jaune et là ça sera fait.